Some may say you're not up to date. Some may say you ought to get some taste before I let you drive, sister. Tell me one more time, brother. Bonjour, je suis Rita Febe, chanteuse, fondatrice du groupe que j'appelle Les Mois du Jazz. J'ai monté mon premier groupe à 16 ans. Bon, je ne vais pas dire ça fait combien de temps, si j'ai le droit. Hein. Ça fait donc 25 ans. Et ce groupe avec lequel on a joué aux fêtes de lycée et tout ça s'est transformé petit à petit en un groupe semi-professionnel qui lui-même, que j'ai quitté pour rentrer dans la profession à proprement parler. Et donc mon premier album signé, publié, vendu dans des magasins date de... C'était il y a 17 ans, je dirais. Il y a 16-17 ans. Alors, comment je définirais mon style? Alors, bon, c'est plus simple pour beaucoup de gens de nous classer dans l'afrobeat. Et je ne vais pas m'en défaire non plus. Je ne cherche pas à renier les origines de la musique que je fais aujourd'hui. Mais moi, j'apporterai la petite nuance et dire que c'est de l'afro-funk. Je me sens beaucoup plus influencée par la musique ghanéenne des années 60, 70 que par l'afrobeat de Fela lui-même. Même si j'ai la chance d'avoir Tony Allen sur quatre des morceaux de l'album, même si c'est encore Baba Tony Allen qui m'a beaucoup coaché pour plein de choses, même si mon guitariste a beaucoup appris de la guitare avec Olobo, qui est un des petits de la Calcutta Republic. Donc l'origine afrobeat, on ne peut pas la nier, on en est fiers. Mais il y a cette petite nuance plus funk, parfois même un peu rock.